Alors, bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, il y a une demande par les organisateurs. Ils ont demandé de ne pas mettre la main sur le micro en parlant, s'il vous plaît, parce que ça... Alors, ils ne peuvent plus pas entendre. Et éloignez vos téléphones, s'il vous plaît, aussi des micros. C'est juste une demande. Alors, justement, bonjour, bienvenue à notre atelier ce matin. Sur le sujet de contenu local, une opportunité unique pour les régions mal desservies. L'atelier est organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et merci Emmanuel pour ça. Et moi, je m'appelle Christine Arida. Je travaille pour l'autorité de régulation des télécommunications égyptiennes et je serai votre modératrice pour cet atelier ce matin. Alors, je veux peut-être commencer par vous dire un peu l'ordre de jour, comment ça va se passer. Nous avons un format Birds of Feather, alors c'est un débat ouvert, un débat spontané entre tous les experts qui sont ici à table. Et nous avons parmi nous justement 4 experts qu'on a identifiés pour stimuler notre discussion. Alors, ils vont essayer, à travers leur courte intervention, à tour de parole, d'aborder les différents aspects du problématique du contenu. Et je vous rappelle que aussi, c'est à vous de parler, de discuter. On veut justement que tout le monde s'engage dans cette discussion. Nous avons justement 90 minutes, pas beaucoup de temps, et on a envie de parler de tous les points de vue différents et les facettes de ce thème très important. Alors j'aimerais bien que vos interventions, si possible, soient courtes, pas plus que 2 à 3 minutes, si c'est possible, pour que tout le monde ait la chance de parler et qu'on ait une discussion vraiment riche et vibrante. Alors je sais aussi que nous avons parmi nous d'autres experts. Je vais peut-être demander que chacun s'identifie et dit quel exactement est son domaine vis-à-vis le contenu. J'aimerais aussi accorder une attention particulière à la participation à distance. Nous avons avec nous le modérateur en distance, M. Kominuga. Je le remercie. Et alors, nous allons lui donner aussi le tour de nous ramener les discussions qui seront par les participations en ligne. Alors, je veux très vite peut-être introduire nos experts. Nous avons avec nous M. Tijani Benjema. Tijani est directeur exécutif Fédération méditerranéenne des associations Internet, FMEI. Nous avons Destiny Chewali, j'espère que je dis le nom bien. Destiny est professeur de communication internationale, département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal, et directeur du Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique Horizon. Il est aussi le président de ISOC Québec. À ma gauche, Mme Mona Al-Ashar, qui est professeure de droit, chef de l'Association libanaise des technologies d'information et fondatrice et co-directeur du Centre du cybercriminalité au Liban. J'espère que nous avons aussi Betty Fosta, je ne sais pas si elle est déjà, nous l'aurions peut-être très bientôt. Elle arrive. Alors, Betty, chef d'entreprise, CEO IPEOS, Guadeloupe Tech, Université des Antilles. Alors, le sujet ce matin. À propos de ce sujet, comme vous le savez très bien, le contenu, c'est un sujet qu'on a discuté depuis le très premier IGF à Athènes. Il a même été un des principaux sujets qui ont été sur l'agenda du forum pour plusieurs années. Et justement, avec la clôture du sommet WSIS, on s'est dit, avec l'énorme évolution de la technologie, la fracture numérique va justement, entre le Nord et le Sud, être réduite, peut-être aussi éliminée, on l'a prévu éliminée, grâce à l'Internet. Mais aujourd'hui, après...
13 ans, regardant, on se dit non, la fracture peut-être n'a pas été éliminée, nous avons peut-être une nouvelle fracture, nous avons une fracture qui est développée d'une autre façon, et elle a surtout à faire avec le sujet de contenu et comment les sociétés du Sud, du Global Sud, on en tire les opportunités de l'Internet et on puisse utiliser le contenu pour mieux vivre, si on veut dire. Alors c'est justement ce qu'on veut discuter aujourd'hui. On veut discuter le contenu local, le contenu en langue locale. Est-ce que c'est une opportunité? Comment on en fait une opportunité pour les régions défavorisées ou mal desservies? Comment le contenu peut nous aider à forger une identité sur le net, à avoir du développement économique, surtout en parlant du contenu littéraire, culturel, scientifique, application en ligne. Alors, pourquoi et comment le contenu local en langue locale octroyer de la croissance à nos pays en développement? Ce sont des questions que j'aimerais bien que vous en pensiez avant qu'on commence la discussion pour en débattre justement tout ça et peut-être sortir avec des suggestions et des idées que notre chère modératrice Rachida, notre chère rapportrice Rachida ramènera au IGF comme rapport cette année. De quel type de contenu il s'agit? De quoi t'en parles? Quel contenu? N'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on a besoin de développer pour avoir ces opportunités? Comment ça affecterait la vie quotidienne de notre population? Mais aussi, est-ce que nous pourrons, comme régions défavorisées, des régions qui sont encore en développement, est-ce qu'on pourra saisir cette opportunité? Quelles sont les barrières que nous retrouvons et est-ce qu'il y en a des histoires de réussite? On aimerait bien entendre ça aussi. Alors, sans trop parler, j'aimerais tout bien donner au premier expert la parole, M. Tijani. Si vous pouvez en nous parler, surtout que vous êtes là depuis l'évolution, vous avez vu l'évolution de l'Internet. Comment on peut utiliser ces évolutions de technologies d'Internet pour en arriver là? Merci. Merci beaucoup, Christine. Justement, moi, je veux vous parler des besoins en contenu induits par l'évolution de l'Internet, les récentes évolutions de l'Internet. Vous savez que ces besoins peuvent être satisfaits par l'achat ou l'acquisition de contenu développé par les géants du contenu. Le problème, c'est que ces contenus qui sont acquis comme ça, ils sont développés par des gens pour leurs besoins, dans leur langue, et donc ils ne répondent pas nécessairement aux besoins spécifiques des régions défavorisées dont on parle aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, l'Internet est devenu le catalyseur du changement économique et social, et ce qui nous intéresse, nous, c'est à voir si ce contenu contribue à l'évolution économique et sociale des régions défavorisées et des communautés défavorisées aussi. Donc, le problème, c'est que les citoyens des pays en développement et des communautés défavorisées ne produisent pas de contenu numérique. Et ceci n'a rien à voir. Le fait d'avoir une concurrence de contenu étranger, bon marché et de bonne qualité n'est pas la seule raison pour cette situation. Le plus important et le plus utile pour les populations locales, c'est d'avoir un contenu local dans les langues locales, répondant aux besoins spécifiques de la population. Donc le contenu local peut être pour l'éducation, pour la santé, pour l'agriculture, pour les services numériques de gouvernance, etc. Mais comme moi je vais vous parler de besoin de contenu induit par l'évolution de l'Internet, donc je vais vous parler d'abord du contenu local, attendez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la première évolution de l'Internet, c'est l'évolution dans les nombres de l'Internet. Vous savez que l'Internet, c'est des nombres et des noms. Les nombres, c'est les adresses IP, et les noms, c'est les noms de domaine. Donc, l'évolution dans les nombres, c'est que les adresses du protocole de l'Internet, le protocole 4, ces adresses-là sont en train d'expirer, si vous voulez. Il y a un épuisement de ces adresses-là. Les 4 milliards d'adresses sont presque épuisées. Et donc, l'IPv6 qui va remplacer, le protocole 6 qui va remplacer l'IPv4, permet un nombre presque infini d'adresses IP.
Qu'est-ce que cela veut dire presque infini? Ça veut dire 667 millions de milliards d'adresses par millimètre carré de la surface de la Terre. Donc vous vous rendez compte que c'est presque infini. Ou encore, si vous voulez, 4,5 10 puissance 25 d'adresses par tête d'habitant sur la Terre. Donc chaque habitant, chaque personne sur la Terre peut avoir simultanément 4,5 10 puissance 25 adresses. Vous vous rendez compte maintenant qu'en plus des personnes et leurs ordinateurs, l'IPv6 permet la connexion et le contrôle d'un nombre presque infini d'objets. Et c'est pour cela qu'on parle de l'Internet des objets. Alors, ces objets-là, il faut bien, si on veut les contrôler, il faut avoir des applications pour les surveiller et pour les commander. Donc ces applications-là, on peut, comme j'ai dit, les acheter chez les géants, mais on peut les faire nous-mêmes. C'est une opportunité pour les pays en développement et les régions défavorisées développer ce genre d'application. Bien sûr, vous savez que nous avons raté la révolution industrielle parce que, et maintenant, on peut plus rattraper. Il faut beaucoup d'argent, il faut les équipements, il faut la matière première. Mais pour les applications logicielles, on n'a besoin que de l'intelligence. Donc, c'est possible, il nous est possible de faire cette production et de donc gagner de l'argent d'un côté et mettre à disposition de la population des applications qui sont utiles et importantes pour leur vie de tous les jours. La deuxième évolution, c'est dans les noms de l'Internet, dans les noms de domaine. Bon, vous savez qu'un nom de domaine est composé de plusieurs parties. Et moi, je vais vous parler de la dernière partie après le dernier point qui s'appelle les domaines de premier niveau. Par exemple, www.meeting.icann.org. Org, c'est le domaine de premier niveau. Donc, les domaines de premier niveau, il y a deux types. Il y a les domaines code de pays, comme .fr, .uk, .de, .tn pour la Tunisie, .eg pour l'Égypte, etc. Et les domaines génériques, comme .com, .org, .info, .music, .africa maintenant, etc. Jusqu'en 2012, il y avait 254 domaines code de pays, CCTLD, et il y avait seulement 23 GTLD, 23 noms de domaines génériques de premier niveau. C'est là où il y a un programme de nouveau GTLD qui a été développé entre 2005 et 2007. Et le premier tour de ce programme a été ouvert en janvier 2012. Alors, les nouveaux domaines de premier niveau permettent de nouveaux produits et services innovants. Ils permettent aussi plus d'opportunités d'innovation. Et ils permettent de nouveaux modèles économiques. Aussi, la croissance de l'économie numérique à travers plus d'opportunités de développement de contenu sous les noms de nouveaux domaines et donc de nouvelles affaires dans l'industrie du contenu. Troisième évolution de l'Internet, c'est les noms de domaines internationalisés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que jusqu'en 2009, je crois, on ne peut avoir un nom de domaine par des caractères ASCII, par des caractères latins, si vous voulez. Alors, l'introduction des noms de domaine internationalisés permet d'avoir donc des noms de domaine avec tout le nom de domaine ou une partie de ce nom de domaine avec des caractères qui ne sont pas ASCII. Donc, un nom de domaine internationalisé, c'est un nom de domaine qui contient au moins un label utilisant un script différent du latin ou de l'ASCII, si vous voulez, comme l'arabe, le chinois, le cyrillique, etc. Donc l'IDN, le nom de domaine internationalisé, sont codés en Unicode multibyte et ils sont sauvegardés dans le DNS, dans le Domain Name System, sous forme d'ASCII à travers une transcription Punicode. C'est-à-dire que pour avoir un nom de domaine internationalisé, on a besoin de faire un codage Unicode multibyte, mais quand on va à la racine, si vous voulez, la racine ne comprend que l'ASCII. Donc il y a une transcription par le Punicode pour l'avoir en ASCII. Donc le système de nom de domaine il n'est pas changé. L'IDN ne nécessite pas la modification de l'infrastructure de l'Internet. L'IDN donne l'opportunité pour la production de contenu local dans les langues locales avec des URL aussi dans les langues locales. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Il y a des populations dans le monde qui ne comprennent, ne lisent que leur langue maternelle.
Et donc, si leur langue maternelle n'utilise pas les lettres, les caractères ASCII, les caractères latins, eh bien, ils ne peuvent pas accéder au contenu, même s'il y a le contenu existait avant en d'autres langues. Mais l'accès à ce contenu nécessite que la personne sache taper l'adresse avec le code ASCII. Maintenant que nous avons ces noms de domaine internationalisés, eh bien, c'est possible que ces gens-là peuvent accéder à ce contenu dans les langues locales. Alors, puisque nous avons plus de personnes qui vont accéder à ces contenus en langue locale, il va y avoir plus de besoins de contenu. Et ce besoin-là, on peut le couvrir par une production locale dans les langues locales qui serviront les populations locales. Donc, tout cela pour vous dire que l'évolution de l'Internet a permis ou a donné naissance à un nouveau besoin en contenu. Ce qui, pour nous, pour les régions défavorisées, pour les pays en développement, c'est une opportunité pour pouvoir entrer ce domaine de l'industrie du contenu et pour pouvoir développer des applications et du contenu, utile pour les utilisateurs, facile à utiliser par la population. Il faut supposer que ceux qui utilisent ça ne sont pas tous des gens qui sont experts ou qui connaissent. C'est des gens qui ne connaissent rien, donc il faut leur donner des applications faciles à utiliser dans leur langue. Voilà, madame, j'ai fini. Merci bien. Merci, Tijani, c'est très intéressant. Et j'ai repris trois, peut-être, points. Justement, s'engager pour la production vis-à-vis la consommation, l'innovation, alors qui nous amène une nouvelle opportunité, mais aussi... couvrir le besoin, mais stimuler le besoin en même temps. Justement, mais je vous remercie. J'aimerais bien donner la parole à n'importe qui aimerait des participants, si on a déjà quelqu'un qui a envie, ou bien si on a quelqu'un en ligne. Jusqu'à présent, non. Sinon, si vous pensez encore aux questions, j'aimerais donner la parole à notre second expert, Mona. Je vais te donner le micro. Alors, Mona, je pense que tu pourrais nous parler plutôt les défis, surtout les défis que les entreprises locales dans ces sociétés se retrouvent vis-à-vis le contenu local. Quels sont les défis? Mais aussi, quel est le rôle des stratégies nationales mises par les gouvernements vis-à-vis la transformation digitale? Est-ce que c'est une chose qui peut aider? Est-ce que c'est une opportunité? Et comment, alors, on en tire une opportunité de tout ça? D'accord. Bonjour tout le monde. Je commence par la dernière idée, la question de la transformation digitale. Parce que effectivement, l'année dernière, l'OMSAR, qui est le ministère de la rénovation de l'administration, a lancé sa stratégie de transformation digitale. Et dans cette stratégie, bien sûr, il y a certains éléments qui ont été pris en considération à cause d'une étude qui a été faite sur, bien sûr, le Liban. Et là, dans la stratégie, on a prévu tout d'abord à remédier à certains défis tels que, tout d'abord, l'infrastructure. Et, parce que tout le monde sait qu'au Liban, on n'a pas encore l'infrastructure qui peut vraiment supporter l'intégration du pays dans l'économie numérique d'une manière optimale. Et qui, d'une manière qui pourra aider à améliorer un peu les conditions économiques du pays. Aussi, dans cette stratégie, on a prévu, bien sûr, beaucoup d'activités concernant non pas seulement la mise à niveau, mais aussi la capacity building des gens du service public. Et aussi l'acquisition de certaines connaissances qui manquent. C'est vrai que nous, au Liban, on est connus pour notre système d'éducation qui est vraiment
classés très haut sur le plan international. On a beaucoup de jeunes gens qui sont qualifiés pour, et effectivement on en a beaucoup, qui dirigent des grandes entreprises internationales dans le domaine du développement e-services, software, whatever. Mais alors, ces jeunes-là ne trouvent pas les opportunités qui conviennent à leur qualification ou bien qualité professionnelle et compétences dans le pays. Donc ça aussi, dans la stratégie, on a aussi prévu, disons, un chantier. Ce n'est pas écrit à la lettre, mais bon. Le ministre qui était avec qui on était en réunion il y a deux jours nous a parlé de ce chantier législatif et réglementaire qui doit prendre place pour répondre à certaines exigences de ce développement numérique et de cette transformation digitale. Pour vous donner quelques exemples, je parlais par exemple des questions de la taxation des entreprises, aussi les facilités d'acquérir des capitaux, parce que vous savez très bien que pour nommer l'une des initiatives de support au Liban, vous savez que le UK a dernièrement lancé son projet de support aux entrepreneuriats au Liban, à côté d'autres, bien sûr, initiatives. Et, mais là, par exemple, la communication pour acquérir ces capitaux pour les entreprises reste un peu compliquée. Donc ça peut être pris en considération, surtout si on parle, si on prend la question de la définition du contenu local en considération, parce que le contenu local content veut dire, entre autres, utiliser certaines ressources locales en contrepartie, donner quelques avantages aux gens du pays, leur transférer une certaine connaissance, leur fournir des emplois. Et donc, voilà. Ça, pour ce qui concerne la stratégie, parce que je n'ai pas noté, je ne sais pas si j'ai oublié quelques éléments, mais aussi je peux dire que dans cette stratégie, il y a aussi des mesures qui visent à encourager l'innovation et la création de nouveaux emplois au Liban. Et ça doit prendre en considération, bien sûr, la question de ces salaires qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qui est exigé comme qualité ou comme skills or qualifications des jeunes qui sont engagés auprès des entrepreneurs. Donc, sur un autre aspect de ce contenu local, c'est-à-dire le fait de créer des services qui répondent aux besoins du pays et de la population, au Liban, effectivement, on a vu qu'il y a beaucoup d'applications qui se développent, et pour nommer quelques-unes, on a par exemple des applications qui, si vous les avez, vous pouvez, elles peuvent vous dire à quelle heure vous allez avoir l'électricité dans votre bâtiment, parce que je ne sais pas si vous avez une idée, mais l'électricité au Liban, vous habitez au 10e étage et vous arrivez dans votre bâtiment et il n'y a pas d'ascenseur. Donc c'est une application qui a été créée pour dire aux gens 10 minutes avant ou 4 quart d'heure avant, et attention, l'électricité va être coupée. Aussi, on a d'autres applications dans le secteur health, santé, qui vise à aider, par exemple, la localisation des patients d'une manière rapide. Et cette, par exemple, cette application a été créée par un ingénieur
que la mère est décédée parce que la Croix-Rouge n'a pas pu arriver à temps, faute de signalisation de route, et il n'y avait pas de numéro, c'est-à-dire il n'y avait pas de nom de route ou bien de boulevard pour que la Croix-Rouge puisse trouver la patiente. Aussi, vous avez une autre application dans laquelle je suis investie et qui s'appelle Ya Ma'allem, c'est-à-dire, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais bon, nous, on appelle Ma'allem celui qui vient vous faire quelques réparations à la maison. Le robinet, oui, quelque chose comme ça, des services. Et là, alors, parce que franchement, dernièrement, on n'a pas des. On ne trouve pas les gens qui travaillent ou bien qui peuvent fournir ces services. Et là, alors, avec cette application, vous pouvez localiser directement, vous pouvez lancer votre demande, votre besoin, et vous allez avoir une liste des noms des gens qui peuvent vous rendre ce service. Voilà. Tu veux que je continue ou bien... Ah non, d'accord. Okay. Non, on reviendra aussi peut-être surtout au cadre législatif, parce qu'on n'en a pas parlé, je pense que c'est très important, mais j'ai envie de donner un peu la chance aussi, si il y en a des interventions. Je vois déjà quelqu'un, je commencerai par monsieur. Vous avez un micro? Oui, merci. Merci, madame la présidente. Monsieur Blaise Azitemina, je suis du secteur gouvernemental pour la République démocratique du Congo. Alors, je ne m'irai pas dans ma réflexion confiner le débat ou la réflexion dans un espace géographique, mais me référant un peu à la limitation du débat, nous parlons des opportunités pour nos régions ou pays mal desservis. Je dirais que cette notion de contenu local ne doit en aucun cas être dissociée ou, idéalement, pour pousser la réflexion plus loin, devait être associée à la notion de la souveraineté numérique. Pendant très longtemps, le même pays dont nous sommes en train de parler ou de pousser loin notre réflexion par rapport à nos contenus locaux, ces pays ont été considérés pour leur richesse naturelle. Alors, beaucoup de grandes puissances ont eu de l'intérêt par rapport à ces pays pour leur richesse naturelle. Nous parlions de pétrole, nous parlons de diamants et autres métaux stratégiques. Aujourd'hui, pendant la quatrième révolution industrielle, alors la ressource qui est stratégique, qui est le data ou la donnée, une fois de plus, ces mêmes pays convoitent encore ces mêmes régions pour leur donner. Même aujourd'hui, le data ou la donnée numérique de ces pays mal desservis, ou certains l'appellent encore en développement, représente encore une opportunité, une ressource pour ces pays qui aimeraient bien y avoir accès. Alors, c'est là où j'aimerais rejoindre la réflexion de l'intervenante précédente. Il est capital, il est important dans cette stratégie-là de pouvoir défendre cette souveraineté numérique, d'abord de développer nos propres infrastructures. Il est très bien de développer nos contenus locaux, mais sans infrastructures propres que nous maîtrisons nous-mêmes, qui devraient abriter ou faire circuler ces contenus, cela ne nous avancera pas grand-chose, parce que ceux qui produisent encore des contenus inadaptés, bon, c'est un peu fort, inadaptés ou inappropriés à nos besoins locaux, dispose des infrastructures et, dans un monde qui n'a plus de frontières, peut faire arriver leur contenu plus facilement chez nous et qui force nos populations à les consommer. Aussi, il faudrait, comme vous l'avez dit, heureusement, nous allons en parler, il faudrait un cadre légal approprié. C'est bien bon de produire des contenus, c'est bien bon de penser à ce que nous allons donner à consommer à notre population, mais tout cela doit être encadré, accompagné, couvert par des dispositions légales qui protègent autant le producteur, autant que les consommateurs. Et enfin, je pense aussi, je suis du secteur gouvernemental, pas très commercial ou de l'industrie, mais je pense quand même qu'il faudrait des mesures incitatives, un peu dans les cadres des taxations, encourageant les investissements locaux, parce que bon, ce sont des investisseurs ou des... On a parlé des innovations locales, mais ce sont des jeunes, des start-up, malgré l'encadrement, l'accompagnement de certains incubateurs, mais ils font face à des poids lourds disposant de moyens financiers pratiquement illimités. Alors c'est là où c'est un peu notre responsabilité, à nous gouvernementaux ou organisations internationales, de voir surtout, c'est bien bon toute cette volonté, mais il faudrait des moyens financiers pour les rendre efficaces et autonomes. Merci.
Merci bien, très intéressant. Vous avez justement lié plusieurs points ensemble, parce que justement, Tijani était en train de parler des Internet d'objets et toutes les données qui sortent de là. Et maintenant, avec cette notion de souveraineté numérique et la richesse des données, justement, comment on parlait de policies, de politiques qui va encourager l'innovation en même temps sans perdre cette révolution encore une fois et pouvoir en sortir des opportunités. Juste une idée sur la question de la souveraineté. Ok, très vite. Parce que justement, parce que vous êtes du secteur gouvernement, et j'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être l'une des questions qui se posent, ou bien l'un des défis qui se posent actuellement, c'est de vraiment redessiner les contours de la souveraineté électronique, ou bien cyberspace sovereignty. Parce que, effectivement, le concept de la souveraineté a été discuté sur le plan international dans plusieurs conventions, et on le voit qui se dessine aux besoins, ou bien à l'image des besoins des pays qui sont concernés par certaines, certains intérêts communs, comme le transport international, comme, voyez. Donc peut-être là, parce que effectivement le cyberspace est différent de notre. Donc, je dirais que peut-être ça serait vraiment un très intéressant thème qu'il faut discuter. Merci bien. J'en ai une seconde intervention. Je m'excuse. Bonjour. My name is Zeyna Bouharb. I'm from Ogero, Lebanon. I have a question. Do we have translation in this room? We don't have. Although when we are in a session talking about local content, we would appreciate having this session translated in order to be able to address the participants in our language. And j'aurais bien aimé voir quelqu'un parler la langue arabe, parce que vraiment c'est nécessaire et on doit commencer avec ça, surtout qu'il y a plusieurs participants, speakers who speaks Arabic. My intervention is just to reassure Dr. Ramona that the telecom sector in Lebanon is witnessing a huge amelioration, because we are working hardly on the infrastructure and all the other aspects of the network related mainly to enhancing the opportunities for digital inclusion and digital economy. So that was just the remark I want to do. No, I didn't say anything else. Merci bien. Et j'aimerais peut-être noter dans notre rapport si l'année prochaine on puisse avoir une chambre avec une traduction. Je crois que sur cette question, c'est un problème qui se pose à IDF de façon générale. Oui. Parce que ce que vous vivez, c'est très bien et je m'en réjouis. C'est ce que vivent ceux qui parlent français quand ils sont dans les sessions en anglais. Justement. Mais peut-être. Ouais. Donc, je m'en réjouis. Donc, je crois que vous serez parmi des personnes qui vont soutenir l'idée d'organiser l'interprétariat au niveau des IGF pour la langue arabe, en tout cas pour les langues du système des Nations Unies, les six langues du système des Nations Unies, que vous serez parmi les partisans, et je souhaiterais qu'on fasse une pétition ensemble partout pour demander au niveau des IGF qu'on le fasse. Merci bien. Alors, nous avons une intervention en ligne. Nous avons une intervention en ligne. Juste une seconde. Alors, on revient. On revient de nouveau si la personne revient. J'aimerais, avant de continuer avec la chambre de données, l'espace à un de nos experts, Betty.
Betty Foster, je t'ai déjà présenté et merci d'être venue. Et je pense que tu as un point de vue très intéressant à ramener ici parce que justement, je travaille avec l'open source. Et l'open source, c'est une opportunité justement pour nos régions défavorisées. Alors, s'il te plaît. Merci. Bonjour. Donc, alors je vais vous raconter un petit peu à travers une histoire. Le poids et l'intérêt en fait de l'open source, code ouvert, même si on utilise l'open source de manière générique, mais c'est voilà, c'est le principe, c'est d'avoir en fait des solutions à code ouvert de façon à ce qu'il y ait en fait des communautés qui puissent y travailler, quel que soit l'endroit, le point du globe où ils y sont. Il se trouve en fait que je viens de la Guadeloupe, c'est une petite île de la Caraïbe, enfin un archipel composé de 7 îles. On a à peu près moins de 500 000 habitants. On a des problèmes de connexion. Il y a très peu d'endroits, entre guillemets, sur les 400 000 habitants. Il y a une région où il y a 60 000 habitants où ils ont du très haut débit. Le reste, c'est du très bas débit. La qualité du débit n'est pas très, très organisée. Au niveau, donc, il y a des endroits, mais vraiment, où il n'y a pas du tout de connexion Internet ou des connexions mobiles de bas niveau. Et donc, par rapport à ça, il a fallu se dire, mais comment composer avec cette contrainte pour mettre en valeur quand même du contenu local, des éléments de patrimoine, les valoriser via des outils. Donc, au niveau, donc je dirige une entreprise qui s'appelle IPEOS. On a travaillé sur une solution qui s'appelle la Geobox à partir de composants de logiciels libres où il fallait faire en fait utiliser en fait le manuel Frascati, je ne sais pas si vous connaissez, dans tout ce qui est recherche et développement, pour voir comment dépasser les contraintes liées au poids du contenu, les éléments concernant aussi la difficulté de travailler ensemble. Il s'avère que il fallait faire collaborer plusieurs collectivités et plusieurs parties prenantes ensemble. Et donc, il a fallu réfléchir à ce qu'on appelle un collecteur de données, de façon à voir le progrès via ce collecteur de données, quelle que soit en fait l'entité juridique auquel les contributeurs appartenaient. On voyait leur progression. Il y avait quand même un objectif qui était fixé en commun. Ce collecteur permettait en fait d'avoir ce qu'on appelle des données d'information brutes, mais en même temps qui permettait en fait à ces données en fait d'être traduites sous forme d'applications mobiles, sous forme de plateformes valorisées, avec pour chaque site valorisé ou chaque élément culturel, des éléments les photos, les vidéos, des éléments historiques, etc. Et ça, pareil aussi, on a réfléchi en fait à une logique d'API qui, si entre guillemets les parties prenantes voulaient exploiter eux-mêmes cette ressource qui avait été normalisé à partir des briques de logiciels libres, ben ils pouvaient l'exploiter sans frein. C'est-à-dire qu'ils avaient des solutions de grosses sociétés, parce qu'on utilise des briques qui sont produites à la fois par la NASA, par Google, etc. C'est des composants qu'on appelle Python, on fait du JSON. Enfin, il y a toute une logique où on a rien à retirer de notre logique de développement, rien à retirer des composants. Ce sont les mêmes composants que les grandes sociétés internationales qui vont conquérir le monde. Par contre, on fait en sorte de les rendre accessibles et surtout de valoriser ce qu'on a et pas uniquement être ce qu'on appelle des consommateurs de données ou des payeurs de solutions ou de données des autres. On s'est dit que nos données aussi pouvaient être valorisées et on pouvait aller au-delà de ces éléments. Donc la Geobox, en gros, ça a permis en fait de développer en fait des hotspots Wi-Fi avec des portails enrichis valorisant le contenu. Ça, c'est d'une part, des applications liant le contenu. Et après, ça peut être décliné aussi sous forme de contenu éducatif ou autre pour ceux qui veulent après. Ce qui veut dire que lorsqu'on est face à des contraintes, l'open source peut devenir un vrai élément pour construire entre guillemets sa démarche de production de contenu ou de mise en valeur de contenu. Il ne faut pas oublier que ceux qui consomment ou qui achètent ou qui valorisent le contenu, ils le font parce que soit c'est utile pour eux, soit c'est intéressant, soit ils n'ont pas le choix. Donc lorsqu'on produit du contenu, il faut être différenciant ou il faut avoir un niveau il faut montrer entre guillemets l'intérêt à l'autre de pouvoir utiliser ce type de contenu. Je ne vais pas
techniquement évoquer tous les types, le florilège de Tikiya. Il y en a énormément. Je sais que l'OIF et d'autres organisations travaillent à cela. Mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où on a conscience de ces contraintes, on n'a pas de limite pour se développer. Mais par contre, il faut avoir cette logique où il faut enregistrer toutes les failles de nos communautés. La faille de ma communauté, c'est la difficulté de travailler ensemble. C'est-à-dire, voilà, il faut créer ce qu'on appelle un cadre, il faut créer des objectifs communs. Et après, les questions de moyens, on n'a pas les moyens de grandes mégalopoles ou de grandes entreprises. Donc, il faut faire avec des petits moyens. Donc, arriver à créer avec moins de 5 000 euros ou des solutions que d'autres vendre 500 000, 1 million, etc. Donc, c'est vraiment cette logique-là. Ce n'est pas de la logique, entre guillemets, pour baisser le niveau. Au contraire, c'est une logique pour un. Travailler sur les compétences locales et la proximité, ça veut dire que ce qu'on fait là, cette démarche-là, ça peut créer de l'emploi vraiment le plus local que possible, avec toutes au niveau de toutes les communautés, soit francophones ou non francophones, mais au niveau des communautés locales. On peut développer des solutions qui intéressent ces communautés, parce qu'on aura établi, entre guillemets, un protocole d'intérêt. Et troisièmement, on peut conquérir le monde parce que, je veux dire, il n'y a pas de raison. À partir du moment où on est visible sur Internet et on fait le travail de référencement sérieusement, c'est une bataille. Il suffit d'y aller. Voilà, je vous remercie. Merci bien, très intéressant, parce que vraiment, justement, on parlait que la technologie, d'un côté, aurait pu ajouter la fracture numérique, mais voilà, avec l'open source, c'est voilà comment en tirer des opportunités pour en faire de ça une opportunité, oui. Alors, j'avais... Monsieur Rajesh Charya, President, Internet Service Provider Association of India. While I'm not able to understand what is being getting spoken over here, because there is no language conversion, but anyway, I can just intervene myself by saying that India, 1.25 billion population, and our target is 1.1 billion internet users by the end of 2020. And recently, what we are doing, because we have got 27 regional languages in our country, we are converting our content into the different language so that it should attract the user to use the internet in a big way. All the languages which are being spoken in India in a different way, all are in a very different style and different way of speaking. But internet is one media which connects everyone to the everyone. Because due to the lot of application available for conversion of the languages or conversion of the content into their own languages, this is helping us for spreading the internet in a big way. My suggestion that in future, when we are talking such an important discussion, we must have some link language, what we understand, that the English is the link language between all the languages. Thank you. Thank you very much. Merci. Alors, de nous... Thank you very much, and I would like to apologize to you and to all people who don't understand French. This workshop is intended to be in French, and it is intended to be like this. Don't forget that in other workshops, people who don't understand English, French speaking, who don't understand English, cannot understand, and it was a frustration. So this is organized by the Francophonie, and it was intended to be in French. And I apologize that you couldn't understand, but this is the rule, if you want, for this workshop. Thank you, and I would say that in future we will hope to have translation everywhere. I think this is a cause, c'est une cause qu'on a besoin tous de vraiment remettre au IGF, au secrétariat, au IGF en général, que nous voulons de, je sais que c'est coûteux, mais la traduction dans toutes les chambres, c'est une chose peut-être qui est très, très importante. J'aimerais prendre une question.
Intervention de Rachida. Merci. Alors, moi, je suis en train d'imaginer la frustration des personnes qui ne trouvent pas de contenu de leur langue sur Internet. Alors que les Français, on en trouve quand même, les Anglais, on en trouve. Mais pensons aux petites minorités qui parlent des langues locales où il n'y a rien. Rien. Donc, je crois que cet atelier a été organisé dans ce sens. Et puisque l'OIF, depuis 2003, depuis la première phase du sommet mondial sur la société de l'information, a appelé au multilinguisme et au multiculturalisme sur l'Internet pour ne laisser personne sur la touche. Car l'Internet doit être un outil d'inclusion, elle doit inclure toutes les personnes. Et nous sommes des ambassadeurs des personnes qui n'ont jamais assisté à ces réunions, qui n'ont pas les moyens de venir, qui ne peuvent pas imaginer la machinerie qui est en train de se développer depuis des décennies sur Internet, où ils sont exclus. Moi, je dis que l'Internet devient un droit universel, exactement comme le droit à l'éducation, à la santé, on a droit à l'Internet et à l'accès à l'Internet. Dans sa langue. Dans sa langue. Dans sa langue, exactement. Et les gens, là, tout à l'heure, il a dit que bon, ils sont attirés par les ressources naturelles de nos pays. Il faut qu'ils soient aussi attirés par les ressources culturelles et linguistiques et artistiques de nos pays. Et ne tombons pas dans le piège d'attendre que l'infrastructure soit là, que la confiance numérique soit là. Le tout doit passer et avancer en parallèle. Sinon, on est... Et aussi, excusez-moi, juste pour... la Ligue arabe, depuis 2001, elle a été parmi les premiers à appeler à l'internationalisation des noms de domaine aussi, pour l'identité numérique de chacun sur Internet. Voilà. Je vais revenir à toi. Je pense que c'est une très belle opportunité maintenant, après cette intervention, Rachida, de donner la parole à Destiny. Justement parce que l'Internet, d'un autre côté, nous avons les grandes plateformes numériques qui sont transnationales, qui sont justement tellement puissantes et où toutes nos communautés en participent avec leurs données, avec leur contenu. Je ne sais pas si c'est le contenu qu'on désire avoir, mais c'est justement le contenu qui existe. Est-ce que c'est le contenu qui aide notre identité, notre culture à être là sur l'Internet? J'aimerais bien entendre de toi, entendre un chercheur dans ce domaine exactement. Merci Madame la modératrice. Et puis effectivement, c'est une très bonne transition par rapport au propos de Rachida. J'aimerais aussi effectivement aborder la question sous l'angle de la diversité culturelle et linguistique vis-à-vis de la colonie numérique que nous représentons justement par rapport à ces géants du web et à ces plateformes transnationales. Je vais commencer peut-être par un petit sondage parce que je trouve que nous sommes un bon échantillon pour parler de diversité culturelle ici de par nos origines diverses. Combien d'entre vous, levez la main, sont abonnés à Netflix? Abonnés à Netflix. Netflix, la plateforme Netflix. Je vois à peu près une dizaine, quinzaine, moitié. Parmi vous, combien ont accès à des contenus, des films ou des séries dans leur langue locale, des films, des contenus locaux de leur pays d'origine? Suffisamment. Je pense que là, ça nous donne un peu quand même une proportion, là, hein, une note de grandeur. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, les autres qui n'ont pas levé la main, parce que moi, avec mon appartenance, donc pays d'origine béninoise, zéro film, zéro série béninoise sur Netflix, mais aussi en tant que Canadien, Québécois, quatre films québécois sur un catalogue de près de 5000 films. Les séries, on parle de 5 séries. Donc... on se rend compte qu'effectivement, on est dans un contexte où il y a une prolifération de plateformes de diffusion et de distribution de contenu, mais que malheureusement, ce n'est pas forcément une garantie de la diversité de contenu proposé, mais aussi de la diversité consommée. Parce que contrairement à ce qu'on a tendance à penser, on se dit « Oh ben les gens aiment ça, écouter, voir des films américains, européens, etc. » Mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs, de consommateurs qui tiennent aussi à avoir accès à leurs contenus locaux dans lesquels ils s'identifient. Mais malheureusement, c'est simplement qu'on ne leur offre pas l'occasion justement à travers ces géants, en tout cas qui ont le monopole de la distribution et de la
diffusion des contenus, notamment culturels. Et je parlais de Netflix, mais c'est aussi le cas de Apple, iTunes, Amazon, etc. Et donc, ce sur quoi je tiens à mettre l'accent ici, c'est une notion, en français, on va parler de découverte, mais en français québécois, nous parlons de découvrabilité. Donc, il y a un véritable enjeu de découvrabilité de nos contenus locaux qui se retrouvent justement noyés dans une abondance de l'offre internationale mainstream. Et ça interpelle, ça nous interpelle à la fois justement à travers les politiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement soutenir les créateurs locaux. Quand je dis politique, c'est à la fois entendre en termes de financement, de création d'œuvres numériques, hein, parce qu'on voit que la tendance ces dernières années, surtout dans les pays du Sud, c'est beaucoup la numérisation donc, des contenus. On essaie de scanner tout ce qui est physique, livre, machin. Mais il faut peut-être investir davantage dans la production même d'œuvres nativement numériques, pour commencer. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à la production parce que derrière, une chose est de produire, mais l'autre est de pouvoir être justement diffusé et d'être distribué, notamment à travers les canaux de diffusion internationale. Et là, il y aura un autre levier important à actionner qui est celui, à mon sens, de la régulation peut-être par des quotas. Des quotas, quand on dit quotas appliqués à l'environnement de radiodiffusion traditionnel, on se dit, oh, ben, ça fait peut-être le siècle dernier, mais je pense que transposé dans l'environnement numérique, il y a quand même une avenue à essayer. Et la Commission européenne, l'Europe vient de nous montrer un peu l'exemple peut-être à suivre, parce qu'ils ont réussi quand même à s'entendre, les États européens, sur peut-être la nécessité d'imposer, par exemple, aux plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, 30% d'œuvres européennes. Si j'ai été capable de le faire, donc c'est une question de volonté politique, je pense que les pays en développement devraient commencer à l'intégrer dans l'adaptation de leur politique culturelle et dans le renouvellement de leur politique et de leur stratégie numérique aussi, d'ailleurs. Un autre aspect qui m'apparaît important, sur lequel je voudrais insister, c'est celui de notre analphabétisme en matière d'algorithme. Parce que justement, une fois encore, ça fait partie de l'autre pouvoir que cette plateforme a, justement, en essayant de répondre plus à des logiques, non pas de diversité, mais vous le comprenez bien, à des logiques plus économiques, à des impératifs économiques de produits vedettes, de produits stars, qui font que la découverte des talents, des minorités culturelles et des expressions culturelles minoritaires n'ont qu'une chance, justement, si on suit leur logique éditoriale, à apparaître sur leur page d'accueil ou sur leur playlist de musique les plus écoutées ou de films les plus populaires. Et la dernière fois, je discutais avec un ami, justement, à Burkinabé, et aussi avec des collègues de l'OIF, à savoir, par exemple, tout ce patrimoine audiovisuel, par exemple, francophone, si on parle de francophonie, la richesse des films produits, du FESPACO, mais où est-ce que ça circule en ligne? Qui y a accès? Où est-ce que c'est archivé? Mais l'archivage, c'est aussi une chose. Je sais que c'est préservé quelque part. Mais comment on y accède, nous qui voulons peut-être découvrir, ou même des personnes d'autres cultures qui aimeraient accéder à ces contenus-là? Et je ne vais pas rester sur un tableau quand même noir, parce qu'il faut savoir que dans tout ce contexte-là, il y a quand même des opportunités. Il y a le fait qu'on a une ingéniosité énorme au niveau des pays du Sud, au niveau des créateurs d'applications, de contenus, donc une riche diversité. Tous les concours là, de challenge apps, machin, ben, ça illustre bien. En parlant aussi de tous les incubateurs, d'accélérateurs donc, qui essaient d'accompagner ou de structurer l'écosystème d'innovateurs, d'applications de contenus locaux. Mais je pense qu'il y a un niveau à dépasser ici, dans le sens où ce qu'il faudrait peut-être, je n'ai pas la réponse finale, ultime là-dessus, mais ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est d'essayer quand même de faire émerger nos propres plateformes, nos propres contenus sur nos propres plateformes. Et un exemple dont on peut s'inspirer, c'est quand même, et je vais terminer peut-être certainement là-dessus, après on pourra revenir sur d'autres discussions, c'est l'exemple de Nollywood. Donc au Nigeria, je ne vous apprends rien, une industrie qui il y a une dizaine d'années produisait à peine
quoi, 200 films et qui subissait toutes les affres du piratage et autres, et qui aujourd'hui est en plein essor. On parle de 1500 à 2000 films produits par année. C'est énorme, et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est comment ces contenus arrivent à être exportés auprès de la diaspora à Londres, aux États-Unis, un peu partout. On a des films nigériens sur Netflix, par exemple. Hein, donc ça témoigne aussi un peu donc de la capacité à exporter ce genre de potentiel. Et je pense qu'au niveau, si je reviens à la francophonie, on voit des séries, on voit des feuilletons, des trucs qui commencent à être produits hein, en Côte d'Ivoire, ailleurs. On voyait des youtubeurs s'auto-promouvoir donc sur des plateformes comme YouTube et autres et qui se font découvrir par ces plateformes-là. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut mettre en place des politiques pour véritablement accompagner ces acteurs-là et favoriser davantage leur découverte. Et je pense que le Québec est ouvert à travailler avec d'autres pays du Sud parce qu'on partage cette même problématique d'être une communauté minoritaire dans cet environnement dominé par les géants et notamment américanisés. Merci, très intéressant. J'ai trouvé aussi très intéressant l'idée de quotas, ce qui me donne aussi l'idée de positive discrimination, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais... Discrimination positive. Justement, discrimination positive. Je m'imagine que ça, c'est une chose qu'il faudrait faire avec des politiques qui sont plutôt... qui invitent les compagnies à investir. Alors, c'est une chose... Alors, il faut jamais oublier que ce sont des compagnies qui sont là justement pour faire de l'argent, ce n'est pas... Alors, ce sont les politiques que nous allons peut-être mettre dans nos pays et dans nos régions pour les inviter à faire cette discrimination positive, si on veut. Et je pense, tant qu'on parle si vous me donnez la chance, de ce sujet de contenu, nous avons aussi, je pense, avec nous dans la chambre, M. Jean-Hubert Nankam. C'est juste, oui, justement, et je pense que vous êtes, vous pouvez apporter la perspective de producteur de cinéma en Afrique, si vous pouvez vous introduire et nous donner votre point de vue. Ah oui, effectivement. Vous permettez une minute pour que je puisse donner une information rapide. Oui, oui. Par rapport au... Une information rapide par rapport aux séries et documentaires qui sont... produit par l'Organisation internationale, en tout cas que l'Organisation internationale de la francophonie accompagne. Aujourd'hui, c'est regroupé sur un site qu'on appelle imagefrancophone.org. Donc, et il y a toute une procédure, pour ça c'est pour permettre aussi aux auteurs de profiter de leur œuvre, tout ça, pour que c'est protégé d'une certaine façon. Donc, mais c'est regroupé, mais il reste à faire la partie exploitation. Imagefrancophone.org, on peut trouver. Merci. Alors, ok, je suis effectivement producteur de séries basées en Côte d'Ivoire. Le commentaire que je peux faire... Si vous pouvez seulement laisser le micro, parce que le commentaire que je peux faire, c'est que l'enjeu digital est une étape dans mon parcours de producteur. Il y a quelques années, on se contentait d'écrire des histoires, d'imaginer des histoires qui étaient ensuite diffusées sur les différentes chaînes de télévision. Mais c'était des histoires locales. Ma démarche de producteur était de proposer autre chose que des telenovelas dans les pays d'Afrique francophone notamment, convaincu que le téléspectateur n'avait pas forcément besoin de se voir proposer des histoires qui se passent à 6-7 000 km et qui sont tout le temps des histoires de relations basées sur le romantisme. Sa réalité, c'est aussi d'affronter la vie, d'affronter son environnement social avec ses bons moments et les moments un peu plus difficiles parce qu'il y avait un vrai enjeu pour le développement. Donc, les productions se développent. Il y en a de plus en plus dans un pays comme celui qui m'accueille. Je suis franco-camerounais vivant en Côte d'Ivoire et j'assume le fait d'y être et je n'ai pas envie d'être nulle part ailleurs. C'est un pays qui est très ouvert, c'est un carrefour. Vous avez toutes les Afriques qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. Donc ça donne la possibilité d'imaginer des histoires qui peuvent être panafricaines et avant d'être universelles. Donc pour nous, producteurs, il y a un vrai enjeu. C'est comment intégrer la dimension numérique dans la distribution de nos œuvres. Ce sont nos histoires. C'est vrai qu'on s'exprime en français. Donc, quand on parle de contenu local, il y a un vrai challenge sur les pays francophones. C'est le fait d'assumer les langues.
Mais vous avez des pays comme mon pays d'origine où il y a quand même 230 langues et j'en parle à peu près une dizaine. Je ne sais pas par laquelle je pourrais m'exprimer si je devais produire localement. Notre voisin bénino-québécois, ce que vous êtes en train de dire, je pense que la francophonie de ce que vient de dire ce monsieur pourrait peut-être rajouter dans le programme Image francophone la facilitation pour que nos œuvres se retrouvent sur Internet, avec bien sûr la dimension protection. Nous sommes dans une situation où nous racontons dans nos histoires un grand pan des cultures des pays dans lesquels nous sommes. Comment les révéler, donner même des codes à des personnes en Occident qui, à travers nos histoires, intègrent des éléments pour un développement qui est le leur et pas le nôtre. Qu'est-ce que ça peut être comme opportunité pour nous en Afrique, en tout cas pour moi en tant que producteur? Le numérique prend de plus en plus de place dans tout ce que je produis, c'est-à-dire je ne développe que des concepts pour lesquels la diffusion de télé n'est qu'une étape. Ma finalité, c'est Internet. C'est Internet parce que je sais qu'il y a un vrai développement, un vrai modèle là-dessus. Revenant sur la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de contenus qui sont produits par des jeunes avec peu de moyens, avec des téléphones portables, et qui les mettent sur YouTube. Donc finalement, ça bénéficie au développement de YouTube et ça ne permet que de partager des situations dans lesquelles ces jeunes se retrouvent. En Côte d'Ivoire, je vais certainement initier une action qui consistera à identifier les jeunes de 15 à 18 ans. Je ne vais pas plus bas parce qu'il ne faut pas leur donner l'impression qu'il y a une alternative à l'école. Mais ce sont des jeunes qui ont une imagination incroyable et qui, pour moi, peut porter l'avenir, peut donner une directive. Je produis depuis 12 ans une série qui s'appelle Teenager. Je suis en immersion dans le monde des adolescents. J'ai une communauté de 120 000 jeunes qui me suivent, qui ont grandi pendant les 12 ans, qui aujourd'hui sont entre 18 et 25 ans, mais je travaille que depuis l'âge de 10 ans. J'ai compris une chose, c'est que ces jeunes imaginent un monde qui n'est pas celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est leur monde, avec leur façon d'être, leur envie d'être et ce qu'ils partagent ensemble. Et je suis convaincu qu'on doit leur donner la possibilité de donner des indications sur ce monde qui est le leur. Et si c'est fait, nous aurons une jeunesse qui sera prête à contribuer, à se battre, si ce qu'ils proposent est pris en compte. Et là-dedans, on est dans un environnement numérique. C'est un nouveau monde. Les gens de mon âge ont juste l'effort de faire pour rester quand même connectés. Et pour ça, je m'entoure des jeunes, parce que l'avenir, c'est celui-là. Je ne maîtrise pas les opportunités numériques, mais je suis convaincu que mon parcours m'a donné de la matière qui ne peut qu'exploiter que dans un environnement numérique. Donc il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, il y a du partage d'expérience. Et des organisations comme la francophonie, c'est urgent. Aujourd'hui, ils ont une place. Je parle de la francophonie parce que je viens d'un pays francophone. Il y en a d'autres. Mais le fonds Image francophone devrait s'enrichir de faciliter l'exploitation de cette opportunité que représente le numérique. On n'a pas le choix d'y aller et je sais qu'on sera obligé d'y aller. Et ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui doivent être mieux guidés. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a deux solutions. Ou ils se perdront parce qu'ils n'auront plus de valeur, ils auront tout perdu. Ou ils créeront un nouveau monde qui est le leur, donc quelque chose qui sera un peu plus équilibré. Que les plateformes soient en Occident, nous avons la possibilité de profiter de ce qui est possible pour reconstruire notre monde, parce que de toute façon, s'il est fait, s'il nous assumons, et s'ils se rendent compte que nous savons ce que nous sommes, on représentera une valeur pour eux. Merci bien, très intéressant. La jeunesse, la perspective de la jeunesse, c'est certainement la jeunesse qui va développer le contenu local, je dirais. Monsieur, vous vouliez parler. Je vous remercie, madame. Je risque d'être un peu redondant avec ce que vient de dire mon collègue Jean Hubert, mais d'abord, je commençais par vous remercier pour lui avoir donné ce moment de parole. Vous nous introduisez ? Je suis Bertrand Moulier, je représente la Fédération internationale des associations de producteurs de films. Je voulais vous remercier également, monsieur Tidjani Benjamin et Emmanuel Adjovi. Vous avoir accueilli ici aujourd'hui, c'est un peu notre première opportunité. Je ne veux pas ajouter à la controverse de tout à l'heure, mais à titre personnel, je dois partager ma joie de pouvoir parler ma langue maternelle dans une instance internationale. Ce n'est que trop rare pour quelqu'un qui, comme moi, s'est expatrié à Londres depuis une trentaine d'années. Très brièvement, je voulais juste ajouter une dimension. Nous sommes la grande famille internationale des associations de producteurs de contenu audiovisuel local.
Nos organisations sont des organisations nationales de producteurs. Nous retrouvons chaque année au Festival de Cannes et de Berlin pour stratégiser en commun. Nous avons des relations dans plusieurs pays d'Afrique, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Et ce que nous constatons dans beaucoup de ces industries qui sont dans certains cas en expansion rapide, dans certains cas en train d'essayer de trouver leur jalon, comme monsieur l'a bien dit, c'est qu'il y a une chaîne de la valeur qui est souvent problématique. Et je voulais simplement rappeler qu'avant qu'on arrive à l'Internet, dans un mode plus traditionnel, l'importance du rôle joué par les diffuseurs sur ce qu'on appelle legacy media, sur les réseaux hertziens et satellitaires anciens, et notamment les diffuseurs publics. Alors, ceci n'est pas une critique des radiodiffuseurs de l'Union africaine des radiodiffuseurs, mais plutôt c'est une critique constructive. Je crois que nous pensons qu'il faudrait d'abord et avant tout qu'il y ait une transformation culturelle de ces organisations consentie par elles-mêmes, une responsabilisation par rapport au rôle qu'ils doivent jouer, être amenés à jouer pour le contenu local. Et je parle là de ce que je connais, c'est-à-dire le contenu audiovisuel, qu'il soit éducatif ou qu'il soit pur entertainment, comme diraient nos amis anglo-américains. Donc ça, c'est une dimension qui nous semble très importante. Nous sommes prêts à travailler en partenariat avec les membres de l'UR à cet égard. Nous savons aussi que ceci demande un traité de protection de la propriété intellectuelle de leurs signaux à l'OMPI. Nous les soutenons à cet égard, mais nous pensons qu'il devrait y avoir un peu un rendu à travers une transformation de leur culture interne dans le traitement des producteurs externes qui leur font des offres de programmes qui sont très souvent en prise linguistiquement, culturellement parlant, avec les réalités locales. Donc, il est vrai que des producteurs comme notre ami Dorothy de Getuba à Nairobi, qui fait des séries dramatiques en Kiswahili, qui en soi n'est pas vraiment un langage minoritaire, soyons clairs, même elle a des difficultés à amortir ce genre de prise de risque, parce que bien souvent les diffuseurs locaux préfèrent acheter à des prix tout à fait ridicules des soap opéras qui ont été amortis en Amérique latine, par exemple. Nous n'avons rien contre ça, bien entendu, mais il devrait y avoir un équilibre. Que les quotas, soyons clairs, nous sommes neutres sur la question des quotas, mais les quotas en eux-mêmes ne régleront pas la question. Il s'agit de combien on paye les droits et si ce paiement reflète la valeur réelle des produits qui sont développés pendant des années par Jean Hubert, par exemple, pour faire face à des réalités locales. Et j'en termine là-dessus, madame, je ne vais pas abuser de votre patience. Il nous semble également que partout où nous avons été, il y a une immense demande de nos collègues pour une mise en œuvre plus dynamique du droit d'auteur et des droits connexes. Une mise en œuvre pratique de ces droits d'auteur. Le droit d'auteur n'est pas un privilège pour quelques conglomérats placés au nord, à l'hémisphère nord. C'est quelque chose qui fonctionne pour tous ceux qui créent quelque chose quelque part. Mais s'il n'est pas mis en œuvre, il reste lettre morte. Donc nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires locaux pour les aider à développer des disciplines autour de ce qu'on appelle l'assemblage de la chaîne des droits, afin que leur talent, les heures de travail qu'ils mettent, le risque financier auquel ils s'exposent, soient protégés et que ce qu'ils façonnent, en quelque sorte, devienne une propriété intellectuelle qui soit protégeable. Et je finirai enfin par dire, monsieur, j'aimerais partager entièrement votre optimisme sur Nollywood. Dieu sait que si Nollywood ne manque pas d'enthousiasme pour lui-même, cela dit, la question de la piraterie ou du piratage est loin d'être éteinte, même pour cette industrie. Elle compense en volume ce qui lui est pris par des moyens non licites. Nous ne comptons pas mettre l'accent sur la piraterie dans le cadre de ce Cénacle, mais ça reste un problème pour tous les contenus africains et bien sûr pour les contenus mondiaux. Encore une fois, ce n'est pas un problème de conglomérat, c'est un problème pour le petit artisan qui essaie de faire une œuvre ou deux œuvres par an. Merci. Merci, monsieur. Très intéressant. Et alors, cette protection, je la mets vis-à-vis aussi de la transformation culturelle dont vous avez parlé. Je pense que c'est vraiment très important. J'aimerais donner la parole à Kossier. Merci beaucoup, madame la modératrice. Je suis Kossier Messinou du Bénin, vice-président du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Je voudrais nous faire garder à l'esprit que l'écosystème d'Internet, c'est avant tout construit sur du business de la chaîne. Ce n'est pas un seul acteur qui gagne. Nous sommes dans le contenu. Le contenu suppose un producteur, un diffuseur, un consommateur. Cette chaîne-là, pour qu'elle soit gagnante
pour nos communautés, on doit veiller à nous assurer de où la donnée est stockée. Il n'y a pas de data center en Afrique pour héberger les données produites massivement par les Africains. La plupart de nos données sont sur les grandes plateformes connues que sont Facebook. Malheureusement, c'est pour faire du bénéfice commercial pour Facebook. La visibilité n'est pas payée. Celui qui l'a produit n'a rien. La diffusion, on utilise la communication internationale, le réseau international, on paye du trafic international pour utiliser les ressources de Facebook. On paye encore pour ce qui nous appartient. On doit travailler avec les organisations comme la Francophonie et l'Union africaine pour qu'il y ait des data centers en Afrique pour contenir l'ensemble des productions africaines sur des plateformes spécifiquement construites à cet effet. Je voudrais vraiment qu'on garde ça à l'esprit. Merci bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui désire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Marius Antiampar, chercheur à Madagascar. J'ai également eu l'occasion de travailler dans une ONG qui s'occupe de nouvelles technologies, qui pousse les jeunes dans les nouvelles technologies et est engagée également dans la gestion de notre domaine à Madagascar. Quand on parle de contenu, je souscris à tout ce qui a été dit, notamment ce que vous venez de dire aussi sur les data centers. Je pense que c'est un écosystème très complexe. Et quand on pense écosystème, pour prendre en exemple le cas de Madagascar, il faudrait penser aux politiques nationales. Les politiques nationales en matière d'information, en matière de TIC ou de numérique, des questions de régulation, des questions d'infrastructure, tout cela fait partie des prérequis pour qu'on puisse développer une politique de contenu au niveau d'un pays. C'est un travail de longue haleine. Je regarde un peu le passé de Madagascar, nous avons mis en place depuis 1986, nous avons mené des efforts pour essayer de rassembler la mémoire scientifique de Madagascar. Et je dirais, si on évalue actuellement, on n'a fait que peut-être 2,5% ou 5% en termes de numérisation. Les thèses, les mémoires, les revues scientifiques, les textes légaux, législatifs, les images, les photos, les films. On a vraiment fait une infime partie parce que c'est un effort qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de financement, beaucoup de temps et beaucoup de persévérance. Et j'arrive directement à une proposition. L'approche, selon moi, ça serait de vraiment penser à une informatisation de la société au sens global. Là, on toucherait également, là je m'élargis, je sors un peu du domaine purement de la recherche, des informations pour faciliter l'administration, pour essayer de lutter contre la corruption, pour essayer de faciliter les relations de l'administration avec le citoyen. Là, c'est pour répondre à la question de quel type de contenu avons-nous besoin. Des informations pour valoriser nos cultures, les gestes qui se perdent dans nos pays parce qu'ils ne sont pas mémorisés. On a une opportunité avec le numérique. Des informations également qui devraient faciliter le commerce et contribuer au développement économique. Les intrants, les potentialités, les marchés, etc. Et tout ce travail, en plus de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, les politiques, les stratégies, on a besoin de renforcement de capacités. Et l'approche, nous avons besoin d'exploiter également toutes les données qu'on aurait mises en ligne, data mining et autres. Puisque c'est bien beau de mettre des informations en ligne, mais si on ne sait pas les exploiter, ce sont les autres pays en avance qui doivent les exploiter et en tirer profit avant nous, c'est vraiment pas la peine. Et je souscris également à l'idée de valoriser au sein de la francophonie tous ces efforts.
Je vais terminer là pour citer un exemple. À Madagascar, dans le domaine de la recherche, un chercheur qui prépare son doctorat ou son habitat HDR, il a besoin de publier dans une revue de rang A. Et ces revues de rang A, je présume, je suis certain que dans nos différents pays africains, il existe beaucoup de revues de rang A, mais on ne les connaît pas. Nos revues ne sont pas suffisamment valorisées. Donc c'est tout ça qui mène à dire qu'il faudrait capitaliser tous ces efforts, tous ces contenus à un niveau francophone. On aura déjà fait quelque chose dans nos pays, mais ça serait bien de les rassembler. Donc l'idée de data center, l'idée d'une politique francophone de contenu qui va intégrer donc tous ces aspects, ne pas oublier que les infrastructures la plus au pays pour mettre en place des politiques, c'est aussi intéressant que de parler directement de contenu. Merci. Merci à vous, très très intéressant. Je vais donner la parole d'abord à M. Tijani, puis je reviens à vous. Merci beaucoup. Quelques remarques. Premièrement, tu viens de dire, Marcus, que tu te demandes quel type de contenu nous avons besoin. Je pense, quel est l'intérêt d'avoir du contenu local, finalement? J'ai énuméré trois objectifs. Premièrement, avoir une identité pour la région, pour le pays ou pour la communauté sur Internet. Exister sur Internet. Deuxièmement, avoir un contenu qui facilite la vie de la population, grassroots, c'est-à-dire la population au plus bas niveau. Et troisièmement, un moyen de développement économique pour le pays. Donc pour moi, ce sont les trois objectifs essentiels d'avoir un contenu local. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, moi je produis du contenu, mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils disent « J'ai une page Facebook. » Et si vous regardez ce qu'il y a sur cette page-là, ça ne répond à aucun critère de production de contenu. À mon avis, on a parlé tout à l'heure, monsieur a parlé de la production cinématographique, si vous voulez. Il y a aussi la production littéraire. C'est ça qui donne l'identité, la contribution à la culture mondiale de la région, du pays ou de la communauté. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé et je pense qui est très important, c'est la production de contenu éducatif, les MOOC. Maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces MOOC ne sont pas faits localement. Et je pense que c'est une grande carence, parce que, je répète encore une fois, ça ne nécessite que de l'intelligence, pas plus. Et il faudrait aussi avoir l'esprit de partager, parce qu'il y a certains, je dirais, professeurs, ne souhaitent pas aller dans cette direction parce qu'ils disent « on va prendre mon contenu ». Le contenu ne sera pas pris. Plus vous partagez, plus le contenu a de la valeur. Et donc, je pense que nous devons insister sur la production de produits et de contenu éducatif. Alors, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de droits d'auteur. Je suis absolument convaincu que le droit d'auteur doit être protégé, sinon les innovants, les producteurs innovants ne vont plus produire, c'est clair. Seulement, il y a une autre valeur, il y a un autre problème, c'est l'accès. Il n'y a que les riches qui ont accès à ce contenu-là. Et ça pose un grand problème. Donc, je pense que c'est une question à réfléchir. Il y a un équilibre à trouver entre assurer les droits d'auteur et permettre l'accès aux gens qui ne peuvent pas payer cet accès-là. Merci. Elle va être brève. Il s'est demandé le plus grand besoin, je crois, qu'on a aujourd'hui pour le développement de contenu, c'est le capital humain. On n'a pas besoin de milliards de dollars pour développer le code. Et aussi, on doit beaucoup travailler sur le référencement. À mon avis, les francophones ou les Africains en général sont trop modestes. On fait des choses, mais on les garde, on ne le dit pas. On ne le dit pas et on se dit, oui, personne ne s'intéresse à nous, donc il faut qu'on prenne de l'avant et qu'on soit un peu plus, pas agressif, mais bon. Sûr de nous. Voilà. Et on a besoin de tout type de contenu.
Mettre en ligne, par exemple, une newsletter dans sa langue locale, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il y a des applications développées en open source qu'on peut utiliser et on publie les actualités, des newsletters en langue locale. Ça rend service à tout le monde. On raconte un petit peu ce qui se passe et on essaie de passer de cette société basée sur la transmission orale à la transmission matérielle. Il faut qu'on laisse des traces, soit des traces écrites ou orales, visuelles, des récits. On peut commencer par exemple par numériser le contenu de nos bibliothèques. On a des bibliothèques qui sont très riches. Ah non, Google s'en occupe déjà. En autre langue, en langue locale. Voilà, donc on peut mettre en place par exemple la géolocalisation. Tout le monde a besoin de se repérer à un certain moment d'un point A pour aller à un point B. Ça aussi, on peut le développer avec des applications open source. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin, à mon avis, de gros de moyens. Par contre, on a besoin d'un data center, un grand data center, parce que quand on a le data center, on va chercher de quoi le remplir et on va produire. Alors, juste pour continuer, il y a une chose que j'ai omis dans ma présentation tout à l'heure, c'est la notion d'accessibilité numérique. Il se trouve que dans mon équipe, j'ai deux experts en accessibilité numérique qui aident d'ailleurs le gouvernement français sur la mise aux normes et la mise en conformité en fait des contenus. C'est-à-dire que c'est quoi l'accessibilité numérique? C'est avec, à partir de même outils, etc., tout type de public, qu'on soit en situation normale, en situation de handicap, ou quels que soient les équipements qu'on utilise, on puisse accéder à l'information. L'accessibilité numérique repose aussi sur ce qu'on appelle des standards. Et c'est le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que j'ai envie de dire, très souvent, lorsqu'on construit, on veut être à un niveau international, on veut être à un très haut niveau, il faut savoir qui gère les standards. Si le contenu chinois commence à être intéressant, c'est pas uniquement par rapport au nombre de leur population, c'est parce qu'ils gèrent et ils ont compris la notion de standard. Ils travaillent avec les standards des Américains ou les standards internationaux décidés à l'ITU, mais ils produisent aussi des standards et ils ont aussi des équipes là-dessus. Au niveau de ma présentation tout à l'heure, lorsque je vous ai dit le contenu, je veux dire, travailler sur du sémantique, sur une normalisation avec ce qu'est une photo, ce qu'est le texte, etc. Et grâce à cette standardisation, ça peut être publié, on peut avoir une outil d'industrialisation pour la traduction, pour la diffusion, etc. Et pour quelles raisons les plateformes comme Netflix sont fortes? Ils ont des algorithmes de compression de malades qui permettent en fait d'avoir, quel que soit le type de smartphone ou de téléphone que l'on a, qu'on puisse accéder, et même si on a un très bas niveau d'Internet, on peut accéder. Donc la notion d'algorithme, ça fait partie aussi des éléments sur lesquels ils travaillent. Donc tout ça pour revenir à cette notion de standard, que font nos communautés, je veux dire à travers le monde, pour être sur ces standards-là, ou quand nous produisions, est-ce que nous respectons les standards de façon à être au top niveau et faire en sorte que nos contenus soient le plus diffusés et diffusables possible? Et que faisons-nous pour industrialiser la partie diffusion? Parce que l'industrialisation, c'est là encore, je ne vais pas parler uniquement des logiciels libres, parce que ou de l'open source. Lorsqu'on parle de ça, tout le monde dit, mais logiciel libre, open source, ça veut dire gratuit. Or, les Américains de la Silicon Valley utilisent le gratuit et ils font des milliards. Donc, libre ou open source ne veut pas dire avoir gratuit et zéro euro. La valorisation, ça a été dit, c'est l'humain, c'est standard, mais c'est l'adoption de vos standards, l'adoption de vos contenus, l'adoption de vos produits, etc. Mais ce travail-là, ça nécessite, c'est la notion de stratégie, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui pilote le monde, qu'est-ce qui dirige le monde, quels sont les intérêts, et faire en sorte d'être conquérant. Et cette notion de conquête, malheureusement ou heureusement, ça reste sur quelque chose de fondamental à l'être humain depuis des siècles et des siècles, c'est la notion d'intérêt. Et l'intérêt en soi, c'est-à-dire avoir une vision non catholique, mais plutôt protestante de l'intérêt, à savoir faire en sorte que ce que je fais puisse bénéficier à ma communauté, puisse bénéficier peut-être à ceux qui sont avec moi, mais surtout à moi. Ce qui fait que ça fait un triptyque vertueux où, je veux dire, tous les composants de la victoire
de la conquête sont là. Merci. Eh ben, un dernier mot, parce qu'elle a dit une grande partie de ce que je voulais dire, mais moi, je vois que les grands géants de l'Internet, par exemple, sont en train de faire un effort vers les Arabes, parce qu'ils voient le nombre et tout. Mais bon, pour le contenu local ou bien pour les autres, pour les minorités, j'imagine que la logique veut que chacun fait son effort pour conserver ou bien pour faire paraître, diffuser le contenu qui est lié à sa culture, à sa langue et à ses intérêts. Donc c'est une responsabilité de chaque population de voir comment être présent sur l'Internet. Voilà. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui a envie d'intervenir ? Oui, s'il vous plaît. Vous pouvez avancer vers le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour. Je suis Dali Diallo du Mali. Merci pour toutes les informations qui ont été apportées par rapport au développement du contenu local. Mais à mon sens, j'aurais voulu avoir ici, puisque là, lorsqu'on commence à parler du contenu local, vous prenez un pays comme le mien, notre richesse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'uranium. Je reste convaincu que c'est la culture, puisque par rapport au développement, on ne peut pas se développer sans sa culture. Donc, de ce fait, la culture devient le paradigme déterminant. Je peux citer deux Grammy Awards maliens. On en a trois. Toumani Diabaté, Farka deux fois. Mais ce sont des analphabètes numériques. Bien. Moi, je pense que les grands du contenu ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. Avec toute l'expertise qu'ils ont, ils sont allés chercher la culture là où elle était, là où ça pouvait intéresser les gens. Mais je pense que dans l'espace francophone, on est trop dans l'entre-soi. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un, des personnes pétries de talent, invitées ici, mais qui sont aussi analphabètes. Avoir aussi, qu'on tienne aussi compte du dernier non connecté qui va se connecter, qui ne sait pas utiliser l'ordinateur, mais avec le taux de pénétration grandissant d'Internet, nous avons des smartphones, mais où est-ce qu'on va aller? Nulle part. Oui, mais au moins qu'on se rende compte que ce sont des gens qui peuvent donner du contenu, produire du contenu pendant des années, mais ils n'ont pas accès aux experts. Donc, diminuer un peu notre entre-soi, aller vers des gens qui sont là. J'en étais un, je le suis toujours. Quand je suis venu, j'ai créé Free Movies on Facebook. Parce que je me suis dit que ben, c'est bien d'écouter du rap américain et puis tout ça. Mais en Afrique de l'Ouest, on a des artistes talentueux, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Mais j'ai juste créé un groupe comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je suis à plus de 20 000 adhérents. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi, mais quelle plateforme suis-je capable de mettre en place? Je ne suis pas informaticien. Vers qui aller? Donc le fossé, il est grand entre ceux-là qui maîtrisent ce que vous appelez open source et les producteurs. Ceux-là qui peuvent fournir aussi du contenu intéressant et pour nos populations. Ben, j'aimerais qu'on essaie de voir, essayer de que les États, ou soit au niveau national, au niveau local, essayent de mettre en place des cadres de concertation entre experts, ceux-là qui maîtrisent le numérique, et ceux-là qui peuvent donner de la matière. Merci. Merci à vous. Une dernière intervention, je m'excuse.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste intervenir sur justement l'interprétariat. Alors, j'étais frappée depuis deux jours de constater que la langue de travail ici au siège de l'UNESCO est l'anglais, alors que le siège de l'UNESCO se trouve quand même ici en France. Donc pour moi, j'estime que c'est peut-être, à mon humble avis, hein, ça reflète une insulte à la France. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que le français devienne la langue de travail ici à l'UNESCO? Merci. Vraiment 30 secondes parce qu'on doit clôturer. Merci Madame la modératrice. Je voudrais d'abord préciser à mon voisin Kossi qu'il y a un gros data center en Afrique qui s'appelle Terraco, qui est basé en Afrique du Sud, peut-être pas connu du monde francophone. Et ma deuxième intervention, c'est surtout parce que je tenais à informer la communauté francophone que la Commission de l'Union africaine a lancé un grand programme qui s'appelle le PRIDA, Policy and Regulation Initiative for Digital Africa, qui a pour objectif, dans un premier temps, de faciliter l'utilisation efficace du spectre de fréquence, ce volet géré par l'Union internationale des télécommunications. Bien entendu, le PRIDA est sous financement de l'Union européenne. Et le deuxième volet qui concerne la communauté ici, c'est la gouvernance de l'Internet, parce que nous aurons pour objectif de mettre en place une plateforme numérique où vous mettrez toutes vos informations, tous vos contenus éducatifs, et rendre le, disons, permettre à la communauté africaine d'avoir une participation plus active et plus durable dans le mécanisme global de la gouvernance de l'Internet. Alors, des courriers vont parvenir bientôt, très bientôt à vos gouvernements pour sélectionner un point focal qui va coordonner au niveau national toutes ces initiatives pour qu'elles soient plus global et rendre les Africains plus outillés dans le, disons, l'écosystème mondial. Merci. Merci et merci à vous tous pour cette discussion très dynamique. Il faut qu'on clôture parce que c'est fini notre temps. Et alors, on aura un rapport de notre rapportrice et on pourra le lire. Et merci à tous. Merci à vous. Ceux qui sont intéressés par la francophonie et la transformation numérique ou digitale sont invités à l'Open Forum qui va se dérouler à côté à la salle 10.